Bonjour à tous, chers auditeurs. Bienvenue à cette nouvelle leçon de l'École du sabbat. Cette fois-ci, c'est la leçon numéro 9. Et cette semaine, on parlait de la mission auprès des puissants. Et comme à l'habitude, maintenant, l'équipe est nouvelle. On a Michael avec moi et Georges. Salut, Michael. Toujours un plaisir d'être ensemble à partager la parole de Dieu. Et comme à l'habitude, je sais que vous le faites aussi à la maison, on ne veut même pas oser ouvrir la parole sans voir l'assistance de Dieu. Donc, je vais demander à Michael, est-ce que tu veux nous introduire dans la prière, s'il te plaît? Merci. Seigneur, nous voulons te remercier de nous donner encore une fois le privilège de partager ta parole. Nous voulons, Seigneur, que tu nous aides, que tu nous éclaires, Seigneur, et que ton esprit puisse prendre possession de tout ce que nous allons partager, Seigneur, pour ta gloire. Bénis également toutes celles et ceux qui nous entendront et partageront avec nous cette étude. Et nous voulons, Seigneur, faire cette démarche pour ta gloire. Et c'est au nom de Jésus que nous t'adressons cette prière. Amen. Amen. N'est-ce pas une grâce qu'on a de pouvoir être assis ensemble? En tout cas, je me considère encore jeune, là, je ne sais pas, là, mais bon. Oui, on va dire trois jeunes, si je peux faire partie de votre groupe, là, absolument. Qui partagent la parole de Dieu sur Internet avec des frères et sœurs de partout. Ouais. Peut-être qu'il y en a qui ne sont pas adventistes, peu importe. On veut rencontrer la personne de Jésus et on veut savoir en particulier comment Jésus, comment Dieu approche les puissants, les riches. Et on sait une chose, c'est que lorsque Dieu est venu sur terre, il s'est incarné, déjà là, un grand signe d'humilité. Oui. Il a vécu à Nazareth, dans une ville où, semble-t-il, c'était pas un endroit... Une mauvaise réputation, on pourrait dire. Oui, pas très recommandé. Ouais. Jésus n'a pas fréquenté des grandes écoles de l'époque à Jérusalem. Il n'y a pas eu, on va dire, ce privilège-là, ou du moins, je pourrais même dire que c'était pas le plan de Dieu. Mm-hmm. Et ensuite de ça, on peut dire... d'une façon claire que Jésus s'est identifié avec les pauvres. Il a vécu très humblement. Mm-hmm. Malgré le fait que Dieu s'est identifié avec les pauvres, on peut aussi dire que Dieu s'intéressait aux riches. Oui, exactement. Donc, on n'enlève pas les riches pour autant, parce que dans Jean 3,16, on nous dit que Dieu a donné son Fils afin que quiconque, je pense que ça inclut aussi les riches. Tous. C'est ce que ça veut dire? C'est vraiment une gloire pour tout le monde. Merveilleux. L'étude de la semaine jette le regard sur ce que Dieu fait pour sauver les riches. Il faut les atteindre. Et étant disciples de Jésus, on veut reproduire ce que notre maître fait. Donc, on va considérer ce qu'il a fait pour nous aussi faire notre part. Et je pense que c'est honnête. Et la leçon de dimanche commençait avec un personnage qu'on appelle Nebuchadnezzar, un roi qui a régné à Babylone, à l'époque où Babylone était une puissance. On va dire après l'Égypte, après la Syrie, à un moment donné, Babylone est montée en puissance. Et je vais vous lire en fait deux textes pour commencer. J'ai la première épître de Timothée au chapitre 2, le verset 4, que j'aimerais vous lire. 1 Timothée 2, 4 nous dit, « Lui qui désire que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » On avait ce texte-là cette semaine. Il y a Jean 3, 16, celui-là. Il y a Éphésiens 1 aussi, verset 4. Éphésiens 1, 4 nous disait, « En lui, en parlant de Jésus, Dieu nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui dans son amour. » Donc, ensuite, on pourra regarder rapidement, faire un petit récapitulatif de Daniel 1, 2, 3. On se souvient de Daniel qui arrive à Babylone dans le chapitre 1. Ils font des choix par rapport à ce qu'il y a sur la table, etc. Mm-hmm. Bon, ils veulent pas se souiller, donc ils prennent position pour Dieu. Daniel 2, on se souvient qu'il y a une vision qui est donnée à Nebuchadnezzar. Il fait un rêve, finalement, il ne se souvient plus du rêve, il n'est pas en mesure d'interpréter avec personne. Mm-hmm. Éventuellement, Daniel va avoir l'interprétation de ce rêve-là après avoir prié, etc. Daniel 3, le roi rassemble tout le monde dans la plaine et il veut que tout le monde se prosterne devant la statue d'or. On dirait qu'il n'a pas aimé la vision de Daniel 2. Mm-hmm. Qui disait qu'il allait avoir un autre royaume après lui. Oui. Donc, lui, il a dit, OK, il y a un Dieu puissant qui révèle les rêves, mais je vais quand même essayer de mettre de l'or jusqu'aux pieds, si possible. Je vais voter au même père
éternel. Il voulait prendre les devants. C'est ça. Et ça, ça lui monte à la tête. Hein? Dans Daniel 4, on voit un roi qui est plutôt orgueilleux. Hein, Michael, tu as remarqué ça dans le texte? Oui. C'est assez impressionnant comment la Bible nous le décrit. Mais sans vouloir aller trop vite, lorsque Daniel fait son intervention auprès de Nebuchadnezzar, le roi a le choix de prendre une décision et changer de direction, mais son pays est trop beau. Mm-hmm. Il regarde, il se dit, waouh! N'est-ce pas là Babylone, la grande, absolument. Que j'ai bâti? Il s'est tapé un peu sur le cœur comme ça, moi. Félicitations. Et la suite, on la connaît. Donc, Dieu, qui aime les riches et les puissants, puisque c'est l'étude de la semaine, donne l'opportunité à Nebuchadnezzar. En fait, il y a eu ce rêve-là d'un arbre qui est coupé, enchaîné au sol et qui reste là, nous dit le texte, durant 7 ans. Et là, c'est pas une opportunité pour lancer une nouvelle prophétie, parce qu'il y a des gens qui interprètent mal ce passage-là. Mais ça veut simplement dire que durant 7 années, Nebuchadnezzar aurait l'opportunité d'avoir un régime végétalien et de faire beaucoup d'hydrothérapie et de, on va dire, se comporter comme une bête. C'est ça que nous dit le texte. Les ongles lui ont poussé, il a été dans le champ. Ouais. Fait que finalement, 7 ans plus tard, il relève les yeux vers le ciel et il reconnaît la puissance de Dieu. Il reconnaît la sagesse de Dieu. Et ça me dit une chose sur Dieu, justement, par rapport aux puissants et aux riches, parce que Nebuchadnezzar était certainement les deux, très puissant et très riche. Très, très riche. Dieu est patient envers les rois aussi, hein? Et le roi n'était pas un roi juif. C'était un païen. Et Dieu lui donne une première vision, hein, je le rappelle, dans Daniel 2. Dieu se sert de lui pour corriger le peuple de Jérusalem. Et là, encore une fois, il lui donne un deuxième rêve, lui donne l'opportunité de 7 années de pouvoir se convertir. Et finalement, l'homme se convertit. Oui, c'est après 7 ans. Vous trouvez ça long, 7 ans? Moi, je trouve ça extrêmement long. Non, mais Dieu, dans son amour... Je pense qu'il faut scruter justement la patience de Dieu dans cette fait. Histoire. Parce que déjà, entre le moment où Daniel décode la vision, ça passe 1 an avant que l'action ait mis en œuvre des 7 années. Ouais. Donc, il avait eu 1 année plus 7 ans. Ça nous montre encore une fois que l'amour de Dieu, Dieu est patient. Dieu veut sauver tout être, même celui qui n'a pas pris de décision dure et forte pour sa mission, pour sa gloire. Mais Dieu est patient. Une petite remarque que j'aimerais faire, c'est qu'on voit que le chapitre débute en disant « Nebuchadnezzar, moi, le roi à tous les peuples ». On commence à voir qu'il n'a jamais perdu son statut, mais dans la description du chapitre, on se rend compte que même si on a une grande position très élevée, si on est très puissant et très riche, comme on a déjà mentionné, on reste un être humain. Et on voit l'humilité d'un roi qui a changé son orgueil parce qu'il s'est laissé prendre par la puissance de Dieu. Et il a compris qu'il a un Dieu dans les cieux, comme il va plus tard mentionner dans le chapitre 4. Puis il reconnaît ça. Il devient un serviteur de Dieu et je pense que c'est le seul roi de grosse puissance qui a un chapitre entier écrit pour lui-même dans la Bible. Et c'est merveilleux de voir comme Dieu il va tenir compte de l'être humain, n'importe la condition. Tout à fait. Et vous savez qu'il y a une partie justement qui est écrite par Nebuchadnezzar lui-même. Oui. Et je vous lis le verset 37 d'ailleurs, ça fait partie de la parole de Dieu. C'est quand même un privilège de pouvoir faire partie des Écritures. Il nous dit au verset 37 de chapitre 4, « Maintenant, moi, Nebuchadnezzar, je célèbre la louange, la grandeur, la gloire du roi du ciel. Tous ses actes sont vrais. » Ses voies sont justes et il peut abaisser ceux qui marchent dans l'orgueil. Mmh. Et là, il parlait de lui. Ouais. Il parlait de son expérience personnelle. Oui, et non vrai. Seulement lui, mais je reviens rapidement sur le chapitre 3 parce qu'on pourrait dire beaucoup de choses là-dessus. Mais vous vous souvenez qu'au chapitre 3, c'était les grands
de tout le territoire de Babylone qui était là. Les gouverneurs, les trésoriers, mm-hmm. les différents dirigeants qui sont venus et qui ont constaté le miracle qu'il y a eu là, alors que les gens ont été jetés dans la fournaise ardente. Donc, ceux-là étaient aussi des gens importants, oui. puissants, possiblement riches aussi, mm-hmm. et sont repartis dans toutes les provinces de Babylone pour dire le Dieu des Juifs, c'est pas n'importe qui. Oui. Mm-hmm. Donc, déjà là, le terrain était prêt pour qu'est-ce qui arrive au chapitre 4 avec Nebuchadnezzar. Et eux, ils en ont entendu parler parce que c'était lui à qui il devait rendre des comptes, Nebuchadnezzar, qui là est converti. Fait qu'on peut imaginer la puissance que ça a eu dans tout le territoire de Babylone. Et ça, c'est Dieu mm-hmm. qui avait planifié tout ça. Absolument. Oui, c'est ça. Absolument. Et c'est merveilleux. Donc, Dieu nous invite à l'humilité. On peut dire ça aussi. Oui. Peu importe la richesse, la puissance qu'on a, mais aussi l'humilité, même si on n'est pas riche, mm-hmm. pour aller vers les riches puis transmettre oui, notre message. Un petit point que oui. ça vaut pas la peine de le prendre, c'est que Daniel était toujours un esclave. Oui. Dans Babylone, mais lui exact. Était fidèle. Mais Dieu s'en servit puissamment de Daniel mm-hmm. pour sortir son projet d'évangéliser mm-hmm. le monde entier et même un roi puissant. Ça, Amen. C'est un message pour nous aujourd'hui. N'importe notre position, si on est consacré tel que Daniel, Dieu ouais. va nous utiliser d'une façon puissante pour la gloire de Dieu et pour son honneur. Amen, merci. On avance. Lundi, Georges, on nous parlait d'un commandant d'une armée en Syrie qui était lui aussi puissant. On peut dire ça parce que l'armée syrienne à cette époque-là était puissante. Oui, oui, ça a été puissant. Exactement, je suis d'accord avec ce que tu nous mentionnes. Puis c'est une histoire intéressante. Il y a beaucoup de choses à apprendre. On n'a pas le temps de tout commenter, mm-hmm. mais on va essayer de sortir... Le message qu'il y a pour nous. Mm-hmm. Naaman, si je prononce bien. Naaman, oui. Naaman, exactement, c'était un homme puissant, c'était un excellent guerrier, on pourrait dire. C'est un commandant qui avait des stratégies et qui a eu la réussite de victoire. Mm-hmm. Puis le texte, il commence à parler de lui de cette façon, de cette victoire, mais il mentionnait aussi que Dieu avait utilisé... cette mesure pour donner des victoires à la Syrie. Mais ce qui va attirer mon attention, c'est qu'il va mentionner qu'ils ont fait des interventions en Samarie et ils ont pris des esclaves, même à l'épreuve de Dieu. Des fois, on pense qu'on ne peut pas avoir des problèmes parce qu'on est l'épreuve de Dieu. Mm-hmm. Mais Dieu permet que des situations difficiles puissent arriver chez ouais. nous aussi. Je peux dire que le royaume du Nord, ce n'était pas le meilleur exemple non plus à cette époque-là. Hein? Oui, exactement. Ben, en fait, ça ne l'a jamais été. ça, c'est notre point à ne pas ouais. oublier. Ça, c'est à cause des infidélités de nous et ouais. de la part du peuple de Dieu qui fait retirer la protection de Dieu de nous et nous trouver dans une mauvaise position. Je voulais partager avec vous autres ce que... La petite madame, il a dit, Naaman alla dire à son maître, la jeune fille du pays d'Israël, je lis Roi 5, le verset 4. Mm-hmm. Naaman allait dire à son maître, la jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et de telle manière. Il commentait l'histoire qui... Il s'est adressé à un petit esclave qui a été ramené d'Israël exactement, en Syrie. Une petite jeune fille qui faisait les affaires domestiques à la maison. Ouais. Mais on voit qu'il était fidèle et qu'il était quelqu'un que ça vaut la peine de l'entendre parce qu'il faut nous mettre en contexte un petit peu. Mm-hmm. Ce n'est pas un esclave qui va venir me dire qu'est-ce que je dois faire. Ouais. Mais on va contester toujours... que même si on a des différentes positions, on reste toujours des êtres humains. Mm-hmm. Et les êtres humains, on est touché beaucoup pour les témoignages. Mm-hmm. Je suis sûr que le témoignage de cette jeune fille mm-hmm. était assez puissant, elle était assez bonne, parce qu'il s'est fait attendre pour se mettre, mm-hmm. pour les grands patrons. Mais on va avancer dans l'histoire. Dieu s'est servi de cette situation d'infidélité du peuple d'Israël, augmentant la fidélité de cette jeune fille qui a resté fidèle à sa tâche, mais mm-hmm. à Dieu, surtout à Dieu aussi. Parce qu'elle n'avait pas peur de dire,
si mon Seigneur Naaman allait en Samarie au prophète, ouais. il pourrait le guérir de la lèpre. Cette jeune fille, il avait une foi solide en son Dieu. Et ça, c'est un appel pour Dieu. Des fois, nous oublions que nous servons à le Dieu Tout-Puissant. Sans ses parents, probablement aussi, n'est-ce pas? Oui, 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 exactement. Ses parents, peut-être, ont été tués, on ne sait pas. Là. Mais ça prouve la puissance, la force qu'a eue l'éducation de cette jeune fille-là. Il fait le lien avec l'histoire de Naaman. L'influence que la petite fille a eue auprès de ce royaume-là, incroyable. Comme Jean, je disais, dans sa façon d'être, probablement, dans sa manière d'être, elle a eu la crédibilité, elle a eu la possibilité de dire, ah ben, dans ce pays, il y a quelqu'un qui saurait peut-être te guérir. Et c'est un point essentiel, je pense, de souligner que l'éducation chrétienne est le fondement d'une société saine, à mon sens. Oui, tout à fait, d'accord. C'est une histoire qui me passionne beaucoup, mais on n'a pas le temps de tout parler, sinon on aurait pas le temps pour les autres journées. Mais je juste voulais mentionner la façon aussi simple que Dieu utilise pour faire de grandes choses. Il a demandé juste de se laver cette fois dans la rivière Jordan, puis elle était choquée parce que... Il avait de la boue un peu, il voulait avoir, mais il voulait aussi voir un petit peu de cérémonie parce que lui était païen et il était habitué à ça, à les cérémonies, à les prières, à des manifestations. Il voulait avoir extérieures. Le tapis rouge. Puis, aussitôt, il dit, mais ce petit prophète, c'est franc pour qui? Il n'ose même pas me voir, il ordonne son serviteur de me donner des instructions. Mais on voit aussi l'influence de Dieu avec les accompagnateurs, les jeunes hommes qui accompagnaient Naaman, il a dit, mais mon Seigneur, en plus ils l'ont dit, mon père, pour faire une approche plus dure, si le prophète, il t'aurait demandé une chose très difficile, sachant que tu es un guerrier vaillant, tu vas le faire. Pourquoi faire une chose aussi simple comme c'est lavé cette fois? Il a réussi à le faire, ils l'ont convaincu, il l'a fait, il est miracle. Facile et difficile en même temps. Hein? Oui, oui. On va dire pour l'humilité et pour l'orgueil. Hein? De tremper l'orgueil dans la boue cette fois. Hein? Ben, dans le Jourdain, mais c'était pas un lieu adapté. Non, mais c'était pas un lieu adapté. Ouais. Parce que il dit au verset 12, les fleuves de Damas et d'Abana et le Parpa ne valent-ils pas mieux que toutes les autres? Parce que ces lieux-là, c'était des lieux aménagés pour que les gens puissent aller se laver. Ça, mais sauf que le Jourdain, ce n'était pas la même chose du tout. Ça n'accueillait pas autant de monde que dans les autres fleuves. Comme au barrage à Saint-Georges aussi. Oui, c'est ça. Mais l'autre chose étonnante, c'est la leçon que nous pouvons trouver dans la demande qu'il a fait à le prophète Élisée. Il voulait donner une offrande aussi que tout, mais Élisée, il a complètement refusé. Mais il dit, OK, une fois que tu refuses, il dit dans le verset 18, il dit, voici toutefois ce que j'ai pris à l'Éternel, qui pardonne ton serviteur, quand mon maître entre dans la maison de Rimmon, pour s'y posterner et qu'il s'appuie sur ma main, je me posterne aussi dans la maison de Rimmon. Vu l'Éternel, pardonnez à ton serviteur lorsque je me posternerai dans la maison de Rimmon. Ce sont des choses qui, des fois, sont comme compliquées à gérer parce que la réponse de l'Élysée nous étonne. Il dit « Va en paix ». Alors, si tu vas en paix. Ça veut dire qu'on doit vraiment laisser notre esprit se guider par Dieu et par l'inspiration de son amour pour donner des réponses peut-être à une personne qui vient de se convertir à l'Évangile. Pas trop le presser parce qu'on voit que l'Esprit de Dieu, il va faire son travail. Ce n'est pas à nous changer les choses, ce n'est pas à nous mettre la pression sur Dieu. Non, mais tu dois arrêter ça. On doit aller doucement et on voit la réponse aussi douce d'Élisée qui dit « Va en paix ». Puis, cette requête peut-être un petit peu troublante pour certains, mais la réponse d'Élisée aussi doux et tranquille, on voit que ça, c'est l'amour de Dieu, ça vient de Dieu. Que Dieu nous aide à être inspirés comme Élisée pour gérer les situations d'une façon que seulement l'inspiration de Dieu peut le faire. Oui, en terminant là-dessus, on va passer à Michael, justement en étudiant cette semaine là-dessus, je disais.
Est-ce qu'on n'est pas pressé, nous, en tant qu'adventistes, parfois, de pousser tout ce qu'on connaît aux autres pour qu'ils le fassent le plus vite possible? Mm-hmm. Je fais juste mentionner des choses comme végétarisme, comme réforme vestimentaire, tu sais, ce genre de choses-là pratiques qui sont bien en soi, mm-hmm. mais qu'on veut imposer parfois aux autres. Et là, lui, il demande la permission de pouvoir se prosterner devant des faux dieux. Uh-huh. Et oui. Le prophète lui dit, va en paix. Autrement dit, il y a des choses en son temps, en leur temps, mm-hmm. qu'il faut annoncer. Oui, qui sont plus importants, oui. Que Dieu nous donne la sagesse oui, pour répondre comme le prophète le fait. Merci, Georges. La leçon de mardi, témoigner auprès des érudits. Il y a eu un érudit et Jésus a rencontré un jour Nicodème. Exact. Un ouais. érudit nommé Nicodème. C'est un homme influent. Oui. Faisait partie du Sanhédrin. Oui. Son histoire nous fait comprendre qu'une transformation du cœur se fait graduellement et pas du jour au lendemain. Ouais. Ça peut nous arriver de voir quelqu'un à l'église et de dire « Waouh, transformation brutale !» Mais Dieu travaillait déjà dans le cœur. Mm-hmm. Cette personne-là avait déjà entendu parler de Jésus. Nicodème était convaincu que ce Jésus-là était quelqu'un d'important. Il avait un message cohérent, un message intéressant. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a cherché un moment précis, c'était la nuit. Il voulait pas, il n'avait pas encore cette audace de se présenter, s'identifier à Jésus mmh. en face de ses collègues, je dirais, ouais. du parti, si on peut dire ça comme ça. Mais le Seigneur avait commencé à travailler dans son cœur. Il est allé à la rencontre de Jésus sur cette montagne et a commencé à discuter avec lui. Il a été convaincu, non pas à ce moment précis, on pourrait dire oui, mais le travail avait déjà avait démarré depuis ouais, un moment fait, déjà. Exact. Et son histoire, l'histoire de Nicodème, nous invite, nous tous, à vivre une transformation. Mm-hmm. Ce n'est pas une amélioration ou une augmentation de notre connaissance, mais c'est vraiment... Une reconstruction. On pourrait dire ça, laisser vraiment ouais. Jésus transformer mm-hmm. ouais. la vie. C'est ce que lui, Nicodème, a fait. Et l'histoire nous continue en nous montrant que les interventions de Nicodème dans le conseil, dans le Sanhédrin, a été influencée par... Je dirais par Dieu, parce qu'il connaissait Jésus. Mm-hmm. Les membres du Sanhédrin voulaient, faire disparaître Jésus, mais Nicodème restait à l'affût. Il disait, on ne peut pas juger quelqu'un, je paraphrase, en son absence. Laissons-le s'exprimer, et ensuite, vous pourrez décider. Mais Dieu a permis que Nicodème puisse être dans ce corps, ouais. ce cercle, je dirais, fermé, ouais. Pour pouvoir influencer, mais je dirais pas influencer en mal, mais permettre que les autres aussi puissent avoir l'occasion de rencontrer Jésus comme lui l'a rencontré. Exact. C'était ça un petit peu cette idée-là, mais gardons à l'esprit que le Seigneur transforme le cœur. Non pas du jour au lendemain, mais le travail démarre au fur et à mesure. Donc, même oui, si parfois autour de nous, il y a la famille, des amis, des personnes pour qui ouais. on prie, ne prennent pas position pour Jésus tout de suite, continuez à prier pour eux parce qu'à un moment donné, le Saint-Esprit donnera une puissance pour ouais. ces personnes-là. Ça prend des années, des fois. Ça peut. Oui. Quand on est un peu comme moi, on voudrait que les choses se fassent instantanément, mais c'est de lâcher prise. Ouais. Une petite remarque, c'est que Nicodème, il essaye de se mettre à l'autour avec Jésus pour discuter, mais Jésus allait pointer directement sur les besoins spirituels de lui. Mm-hmm. Et je trouve que c'est ça une leçon importante qu'on doit apprendre. C'est plus important chercher les besoins spirituels de la personne qui allait pour les branches. Et j'aime bien parce que c'est catégorie, c'est Jésus qui le fait. Mm-hmm. Il dit, il faut chercher Dieu, il faut naître de nouveau, il faut reconnaître qu'on a besoin d'une sauveur dans nos vies. Oui.
Avant de passer à la leçon de mercredi aussi, en terminant rapidement, on dit souvent de Jésus et des disciples qui étaient des gens pas très éduqués. Mm. Vous avez déjà entendu ça, mm-hmm. puis j'aimerais juste répliquer en disant que cet homme-là, Nicodème, est un homme intelligent. Absolument. Et quand on communique avec des gens qui sont intelligents, savants, qui connaissent la parole de Dieu, qui sont éduqués, bien, il faut aussi avoir quelque chose d'intelligent, d'organiser à dire, et Jésus s'exprimait de telle façon. Parce mm-hmm. qu'il étudiait les Écritures. Et non seulement ça, mais vous savez qu'il y avait l'hébreu, qui était connu par Jésus, le grec, l'araméen, qui était la langue principale, et aussi le latin, parce qu'ils étaient sous la domination romaine. Donc, il s'exprimait et écrivait dans ces quatre langues-là. Mm-hmm. Et il y avait un métier en plus, mm-hmm. au moins un métier. Donc, moi, je n'appelle pas ça quelqu'un qui manque d'éducation. J'appelle quelqu'un qui est très bien formé pour aller parler à quelqu'un Monsieur. Comme Nicodème. Mm-hmm. Et les disciples, d'ailleurs, aussi savaient lire et écrire parce qu'il y en a plusieurs qui ont écrit là-dedans. Ouais. Donc, ce n'était pas l'éducation de Jérusalem, mais lorsqu'on approche ces gens-là, je pense qu'il faut avoir un minimum ouais. dans notre ouais. façon de s'exprimer et tout, que Dieu nous donne son esprit aussi pour pouvoir mm-hmm. atteindre le cœur de ces gens-là qui Exactement. Sont oui. puissants et riches, mais souvent aussi très intelligents. En quête de vérité. Ouais. En ouais. quête de vérité. La leçon de mercredi, Georges, la mission auprès des riches d'une façon générale, mais on parle d'un jeune homme riche qui avait un obstacle devant oui, lui. Oui, on continue à parler des gens riches, des oui. gens qui ont une très bonne position. Puis c'est particulier cette histoire parce que, comme on voit, le cas qu'on vient de mentionner, Nicodème, il allait chercher à Jésus dans la nuit. Mais ici, on voit un jeune homme tout enthousiaste qui, devant la foule, il vient en courant et il va s'agenouiller devant Jésus. Il va lui dire, « Maître, mon Dieu, mon Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? » Il est vraiment enthousiaste. Il n'était pas gêné de cacher ses émotions parce qu'il voyait comment les enfants, il entourait Jésus. Il voyait la joie que les gens avaient, ces gens qui suivaient Jésus. Il voulait aussi participer de ça. Puis l'histoire, il va nous dire que Jésus, il commence à les mentionner, tout va garder les commandements. Mais notre attention peut être attirée parce que les commandements que Jésus mentionne, c'est juste les commandements qui ont un rapport à leur prochain. Mm-hmm. Il va parler des parents, de garder celle-là, tous les commandements qui on va trouver dans la loi qui sont pour les prochains. Mais il va dire tout de suite, « Seigneur, j'avais gardé ça. » Depuis que je suis tout petit. Ouais. Mais, tout va bien. Mais il sentait quand même le besoin parce qu'il va dire... Qu'est-ce qui me manque d'autre? On va prendre le temps de lire Matthieu 19, le verset 20. Parce que le jeune homme lui dit, « J'ai observé toutes ces choses. Mm-hmm. Que me manque-t-il encore? » Parce qu'il voulait peut-être s'attendre, « Non, regarde, tu es parfait, le royaume de Dieu est pour toi. » Ou il peut-être... s'attendrait à quelque chose de différent de la part de Jésus. Mais on voit que Jésus l'avait aimé parce que le verset 21 nous dit, Jésus lui a dit, il y a des autres versions qui vont expliquer dans les autres évangiles qu'il va dire, Jésus aimait ce jeune homme. Il l'a aimé depuis le début, mais ouais. il l'a aimé aussi après. Si tu veux être parfait, je lis dans le verset 21, « Va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis mm-hmm. viens et suis-moi. » Misère que ça a été difficile pour les jeunes hommes riches. Ouais. Parce que même pour nous, ça c'est difficile. On demande tel comme ça que Jésus fait de nous débarrasser de toutes nos possessions, que ça nous a coûté des efforts, ça nous a coûté la souffrance, les stratégies, plein de choses qu'on peut mentionner. Mais la question importante, c'est savoir, Dieu n'était pas intéressé dans la richesse de cet homme. Mm-hmm. Dieu était plutôt intéressé dans son cœur. Et ça, c'est là le problème d'un homme, de petit jeune homme riche. Dans son corps, il n'y avait pas la place pour Jésus. Mm-hmm. Et c'est pour ça que Dieu l'a donné de se débarrasser de ça, parce que ça empêchait d'avoir une place pour Jésus. Et c'est ça qu'on doit prendre, et c'est ça l'appel qui revient à nous aussi, parce que ça, c'est une... Cette histoire, l'objectif de cette histoire, c'est simplement parler de jeune homme riche, c'est parler de nous. Et il faut savoir que dans le tronc de notre corps,
il y a juste une place. Mm-hmm. C'est nous qui va régner et on va mettre dehors Jésus, ou on va laisser la place pour que Jésus mm-hmm. puisse régner dans le trône de nos corps. Il va organiser notre vie d'une façon qu'on ne pourrait pas imaginer, mais c'est une joie qu'on va, on va expérimenter mais... et qui va nous guider. Nous va guider de plus en plus. Je voulais juste mentionner rapidement Sachet. Ça a été un homme riche aussi, de mauvaise réputation, mais que Jésus a eu l'intention de s'approcher de lui. Mais une chose intéressante, c'est que Jésus jamais a demandé à Sachet par rapport à sa richesse. Mm-hmm. Il simplement a accepté d'aller manger chez lui, de se loger chez lui. Et c'est Sachet même qui prend l'initiative de dire « Seigneur, et en plus, il le fait de façon publique. Il se met debout, il prend la parole, il dit, « Seigneur, devant toi, devant de ces témoins, si je vais défrauder quelqu'un, je vais le donner 4 fois de plus. Mm-hmm. Puis, en plus, je vais donner la moitié de mes biens aux pauvres. » On voit que Dieu, il s'intéresse pour les riches aussi. Mais il va les aborder par rapport à ses besoins. Mm-hmm. Et c'est là qu'on a besoin tellement la sagesse et la grâce du Saint-Esprit pour comprendre de quelle façon est-ce qu'on doit s'approcher de chaque personne, parce que chaque être humain est différent, exact. Et l'approche doit être différente. Mais ça va être juste la douceur du Saint-Esprit qui va nous aider, qui va nous éclairer pour savoir comment le faire, comme Jésus l'a fait. Je vais faire juste une petite parenthèse concernant cette histoire. Ici j'ai la conviction que le Seigneur n'est pas contre la richesse, au contraire, comme tu l'as bien dit, exact. C'est vraiment... nous permettent, il nous encourage à déraciner l'amour. Notre amour de l'argent, notre amour des biens de ce monde, et de nous tourner vers la vie éternelle. Parce qu'il était vraiment en lutte, ce jeune homme-là. Oui, c'est ça. Non, je suis complètement d'accord, mais c'est juste pour clarifier. C'est Dieu qui a créé l'or, l'argent, le soleil, les richesses exact. Énormément. Mm-hmm. Il n'y a rien de mauvais à ça, mais comme la Bible nous le dit, c'est l'amour à ces choses mm-hmm. qui vont déplacer l'amour de Dieu dans nos vies. C'est là que ça devient dangereux et que ça devient mauvais. Merci, Georges. Donc, approchons les riches de façon différente, puisque Jésus l'a fait avec le jeune homme riche et Zachée. Jeudi, dernière journée, mission auprès des puissants. On parle ici de Joseph. Joseph d'Arimathée. Il y a aussi, un homme influent dans cette histoire. Pour faire court, après la crucifixion de Jésus, Joseph d'Arimathée, avait comme une pente d'accès vers le roi, vers Pilate. Il va voir Pilate et lui demande est-ce qu'il peut récupérer le corps de Jésus pour le ramener vers les disciples. Et à ce moment-là, à ce moment précis, Pilate avait eu la confirmation que Jésus était bien mort. Mm-hmm. Et il a accepté. La position que Joseph d'Arimathée possédait avait permis aux disciples de récupérer le corps de Jésus. Parce que si d'eux-mêmes ils étaient allés vers Pilate, Pilate n'aurait peut-être pas accepté. Ouais. Mais voyez-vous comment l'action de Dieu à travers des personnes influentes peut permettre à ce que le message, à ce que le plan de Dieu puisse continuer. Beaucoup, malheureusement, de personnes riches sont méprisées, alors que nous sommes tous égaux devant Dieu. Ouais. Et la mission que moi, je peux accomplir, ou qu'importe, peut accomplir, peut être aussi accomplie par une personne ayant une autorité forte dans la société. Et là, c'est vraiment quelque chose de merveilleux, comment Joseph d'Arimathée et Nicodème ont pu participer au transfert du corps de Jésus du royaume vers le tombeau, parce qu'ils ont aussi déboursé des matières comme la myrrhe, l'aloès, nous dit la parole, afin d'embaumer le corps de Jésus. Et dans soutenir la mission aussi. Exact. Par après, oui. Et ça nous montre comment
La mission est donnée à tous, à tous ceux qui le veulent, à tous ceux qui sont convaincus. Et voilà, pour la gloire de Dieu. C'est vraiment quelque chose de merveilleux. Et nous louons Dieu pour cela. Prions pour les riches, absolument, comme Joseph d'Arimathée, qui vont sortir de nulle part. Mm-hmm. Et un jour, si je peux utiliser l'expression, vont faire leur coming out. Hein? Disons-le. Et ils vont entrer dans la mission, ils vont faire avancer les choses. On est déjà arrivé à la fin de l'étude de la semaine, mais je pense qu'on a compris à travers ces différentes journées que Dieu nous appelle, nous aussi, à prier pour ces gens-là, riches et puissants. Je suis sûr que vous en connaissez, là où vous habitez. Peut-être que c'est un maire, peut-être que c'est un premier ministre, j'en sais rien. Mais ces gens-là, non seulement on peut prier pour, mais si on a un contact, peut-être qu'on peut faire une différence dans leur vie parce que, qui sait, peut-être qu'ils deviendront ces Joseph d'Arimathée, peut-être qu'ils sont ces Naaman de Syrie. Ils ont des gens sous leurs ordres par milliers. Dieu se sert des rois, comme Nebuchadnezzar encore aujourd'hui, on en est sûr. Et ayons la sagesse, l'humilité, l'intelligence, la douceur pour leur amener un message, pour leur donner la lumière dont ils ont besoin. Parce que eux aussi, plusieurs vont répondre à l'Évangile et ils vont faire des choses qui nous étonnent. Ils vont ouvrir des portes. En fait, Dieu va ouvrir des portes à travers eux d'une façon extraordinaire. Donc, on est déjà arrivé à la fin. Mais faisons avec ce que Dieu a mis entre nos mains. Et travaillons pour les puissants parce qu'il reste encore beaucoup de travail à faire. Oui, ne les oublions pas. Ne les oublions pas. Georges, je veux prier pour les puissants et les riches en terminant. Oui, on va prier. Merci. Prions. Notre Dieu tout-puissant, le Très-Haut, c'est un privilège d'avoir étudié ta parole et voir que toi aussi, dans ton ministère, tu as tant occupé des gens riches et des puissants. Tu ne les as pas laissés de côté. Mm-hmm. Mais aussi, on a de belles histoires dans l'Ancien Testament. Nous te prions ce moment pour les gouverneurs de nos pays, mais aussi du monde entier, pour les riches, pour les puissants, pour tous ces gens qui, pour toi, sont tes fils, tes filles, et que tu voulais aussi les sauver. Amen. À nous, telles que personnes, telles qu'Église, avoir une pensée pour eux et savoir que, dans le fond, sont des personnes qui pourront sentir aussi la tristesse, la douleur, la souffrance, et voulaient trouver la solution. Aide-nous, Seigneur, à apporter, à être sûr que nous avons quelque chose de merveilleux à apporter à ces gens-là aussi. Et c'est la bonne nouvelle de l'Évangile, la bonne nouvelle que tu vas nous donner la vie éternelle. Merci pour nous, Satan, et nous te prions tout ça dans le puissant nom de Jésus. Amen. 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 Merci, Georges. Merci à vous autres.